Donc, je suis contente de vous retrouver avec un haul Nose. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Donc, il y en a pas mal, mais j'ai fait ça en plusieurs fois. Donc, je vais vous présenter aussi parce qu'il y a des cadeaux d'anniversaire dedans. Donc, à ce moment-là, je vous la représenterai aussi dans les cadeaux d'anniversaire. Donc, pour commencer, ce sac-ci. Donc, j'avais vu sur la chaîne de Fashion Barbie. C'est celui-ci. Donc, avec la lanière rose. Donc, mon chéri me l'a offert pour mon anniversaire. Donc, c'est un des cadeaux de mon anniversaire. Donc, j'étais avec lui. Donc, il m'a dit de choisir ce que je voulais. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci. Et il a coûté 4,50 €. Ensuite, pour ma copine Émilie, pour Emma, je lui avais parlé du sac Tsum Tsum. Donc, je lui ai enfin trouvé pour le swap. Voilà, Émilie, le sac pour Emma. Donc, je vais vous dire quand même le prix. Il a coûté 8,99 €. Donc, c'est pour ta pépette. Ensuite, Émilie avait trouvé le sac à dos Bambi. Donc je l'ai pris, mais voilà, ça fait un peu enfantin. Mais voilà, je pense que je vais l'utiliser, je pense. Il était à 6,99 € ou l'offrir aussi, je sais pas encore. Ensuite, j'ai trouvé une pochette comme ceci, Choupa Choups. Voilà, qui était à 2,89 €. Ensuite, en cadeau d'anniversaire, j'ai eu ce sac-là. Donc, Léopard. Donc, de Stella Cadente. Voilà. Je sais pas si j'ai le prix. Donc, il se présente comme ceci. Et il était à 12,99 €. Donc, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire aussi. Donc, en fait, il y a deux pochettes. Comme ceci, on dirait une petite valise. Donc, je pense que je vais l'utiliser en valisette. Voilà. Comme ceci. Donc, super joli. J'adore. Et surtout, de Stella Cadente. Comme on dit. Je sais plus comment on dit. Ensuite, j'ai eu le sac en bandoulière toujours de Stella Cadente. Donc ensuite encore une plus grande bandoulière. Il y a une deuxième, je pense. Oui, c'est la même, hein, il y en a deux en fait. Voilà, donc en fait il se présente comme ceci. Et en fait, quand vous le fermez, donc il y a une fermeture éclair, donc il est grand comme ceci. Hop. Donc toujours de Stella Cadente. Et quand vous le fermez, il est comme ceci. Et il était à 8,99 €. Donc super contente des cadeaux de chez Nose, même c'est des sacs, mais ça me fait toujours plaisir de recevoir ça. Ensuite, toujours de Stella Cadente, donc je l'ai trouvé en rouge, donc toujours le même système. Voilà, et il était tout, et celui-là il était à 9,99 €. Voilà. On marque la marque. Voilà. Ensuite, de Stella Cadente, encore comme ceci. Et trouver une petite pochette comme ceci. Donc elle s'ouvre comme ceci. Donc ici vous avez la dragonne.
Et dedans, vous avez la bandoulière. Et il a coûté 9,99 €. Donc ces quatre sacs là, c'était des cadeaux d'anniversaire. Donc super sympa et j'adore. Donc merci à mon chéri. Ensuite, j'ai trouvé un t-shirt comme ceci. Je trouve super sympa. Hop, et il était à le prix 1,50 €. Donc ça vaut le coup pour un t-shirt. Ensuite, j'ai trouvé la trousse Chupa Chups pour 1,99 €. J'ai trouvé le petit carnet Chupa Chups pour 1,99 € aussi. J'ai trouvé un petit sac de la famille Marie Miel et Nature pour 50 centimes. Donc c'est un petit sac, un petit tote bag en fait. On va l'ouvrir ensemble. Un petit sac pour mettre dans le sac pour aller faire du shopping. Je vous présente comme ceci. Voilà, super sympa. Je le rangerai après. Ensuite, j'ai trouvé du shampoing pour mon chien. Donc à 1,50 €. Donc c'est de la marque Jolie. Voilà. Et prenons des sacs pour moi pour nous. Ensuite, j'ai trouvé des pinces magnettes pour le frigo à 50 centimes. J'ai trouvé des feuilles comme ceci, des paper patch pour 75 centimes. On fait des bonnes affaires à chaque fois chez Noz. Hein. J'avais pris une muffins au chocolat. C'est plus classe. Excusez-moi pour le bruit. Je me suis pris des chocolats Milka comme ceci en forme de cœur pour 69 centimes. J'ai trouvé de Cover Shoot un pinceau éventail pour 1,50 €. J'ai trouvé un... Comment on appelle ça? Où on met les bougies. Excusez-moi pour le bruit. Donc c'est... Il y a marqué Love. Et il était à 50 centimes. Ensuite, j'ai trouvé des post-it avec un petit chien pour 50 centimes. Bon, j'ai trouvé des sous-vêtements. J'ai pris des petits bonbons burger pour 60 centimes. J'ai trouvé trop sympa un petit magnète avec un petit cochon pour 30 centimes. Donc encore un sous-vêtement. Ensuite, j'ai trouvé ce truc sympa. Donc c'est pour poser le téléphone, donc il était à 1,99 €. J'ai trouvé un porte-clé Star Wars pour 1,99 €.
J'ai trouvé des post-it en forme de cœur pour 50 centimes. Je vous rapproche un petit peu. Ensuite, pour ma copine Laurence, je lui ai trouvé une petite bougie avec un ange pour 1,20€. J'ai enfin trouvé la bougie que tout le monde parle de Darty Hip. Donc c'est la Baby Powder. Donc pour 1,49€. Paquet à mes anges. Ensuite j'ai pris deux flacons de Argan Oil. Donc celui-là c'est un spray protecteur. Donc j'en ai pris deux pour 1,99€. J'ai retrouvé un petit fard Winnie pour 85 centimes et c'est la teinte 15. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc c'est celle-ci. Donc si je l'ai, Emily, elle sera pour toi. Ensuite, c'était je crois Emily qui en avait parlé dans ses vidéos. C'était passion, fruits, fragrances. Donc comme ceci. Donc c'était la passion. Et c'était 1,50€. C'est une brume. Ensuite, toujours de Argan Huile. J'ai trouvé la crème entretien main et ongles pour 1,99€. Désolée, je brille un petit peu parce qu'il fait chaud. Donc, je présente comme ceci. Ça sent super bon. J'adore. Hop. Donc, j'ai repris la même. Donc, je l'ai pris en deux fois. Donc, qui était à 1,50€. Ensuite, j'ai pris le gel douche à 1,80€. Sur de la même gamme. J'ai trouvé du petit olivier à l'huile d'argan, un gel nettoyant exfoliant visage. Donc, pour 2,49€. Ensuite, j'ai fait le stock de soins de jour de chez Cartier. Donc, ils étaient à 50 centimes. Donc, je vais en mettre aux copines dans les concours. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez. Je vous enverrai un sans souci. Ensuite, je me suis pris un shampoing. Donc, qui était toujours 1,99€. Voilà pour le premier sac. On va passer aux deux autres. Donc ensuite j'ai trouvé un vernis comme ceci. Je pense que je vais mettre dans le shop à Emily. Donc il était à 85 centimes. Donc Emily, dis-moi si tu l'as. Autrement, il est pour toi. Ensuite, j'ai trouvé deux cartes anniversaire. Donc 75 centimes les cartes. Ça vaut le coup. Donc encore des muffins au chocolat, donc pour 1,20€. Donc j'avais eu les deux pour 1€ pour 60 centimes pour 1,20€ les deux, pardon. Ensuite j'ai trouvé un carnet comme ceci Star Wars, donc pour 3,99€. J'ai trouvé une boîte avec des stylos pour 2,49€.
99. Donc c'est cela. Donc ça vaut le coup. Hop. Ensuite, de chez Cartier, j'ai trouvé un lait de toilette visage et corps. Normalement, c'est pour les bébés. Mais je vais l'utiliser quand même. Qui était à 1,99€. Désolée, j'ai chaud. Donc, celui-là. Ensuite, j'avais trouvé Molcola, donc c'est un coca italien, donc pour 49 centimes. Donc j'ai pris les noirs et j'avais pris les rouges, mais ils ont déjà été vus. Ensuite, j'ai trouvé une boîte avec des cartes postales comme ceci, et c'était, je crois, 1,20€. Ensuite, j'ai trouvé du papier à lettres. Je vais mettre un par un. Donc il y a le mini comme ceci. Donc il est à 99 centimes. Il y a avec Blanche-Neige. Hop, comme ceci. Ensuite, j'ai celui-ci, Bambi et Pampan. Voilà. Et j'ai pris les trois princesses. Comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai repris une pochette cadeau. Comme ceci. À l'origine, ça vaut 2,49€. Et je crois que je l'ai payé 59 centimes. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un cahier de mini. Comme ceci. Et qui était à 99 centimes. J'ai trouvé des 3D Stanbook glitter avec des petits chats pour 1,99€. J'ai trouvé des tampons avec des papillons pour 1,99€. J'ai trouvé de Sweet Home. Une petite maison comme ceci pour le thé pour 99 centimes. Ensuite, j'ai trouvé de Star Wars les crayons comme ceci. Mais pour 1,99€, donc ça vaut le coup pour du Star Wars. Je me suis pris aussi la brume aux coconut. Donc pour 1,50€. Je m'étais pris aussi de la soupe Star Wars. Donc pour 39 centimes. Donc j'ai mangé un et c'est super bon. Hein, c'est de la soupe. Donc, ensuite, j'ai repris encore des soins de chez Cartier. De Make Me Up, j'ai trouvé un vernis orangé comme ceci pour 85 centimes. Pour 85 centimes, j'ai trouvé celui-ci. Donc je pense qu'il va être pour ma copine Emily. Tu me diras, Emily, je te le mettrai de côté dans le swap si tu veux. Si t'aimes bien la couleur. Ensuite, de chez Winnie, j'ai trouvé la teinte 14, donc à 85 centimes. Donc j'ai vu qu'Emily l'avait trouvé dans son haul. Donc il ira dans un concours, je pense, parce que je l'ai. Ensuite, de Electric Glitter. À 85 centimes, j'ai trouvé celui-ci en rose avec plein de paillettes.
De Neon Nine à 85 centimes celui-ci. En orange vachement fluo. Un rose toujours de électrique. C'était Dedona. Donc un rose fluo. Ensuite de chez Winnie, j'ai repris la teinte 15. Donc comme ceci. Oui, je verrai si je fais des enveloppes surprises à mes copines. Ensuite, j'ai trouvé un fard à paupières à 50 centimes. Et celui-là, c'est le bleu turquoise. Okay, comme ceci. Voilà. Celui-là, c'est le turquoise reflet vert. Voilà. Et celui-là, c'est le vert or. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite, de PB Cosmétiques, j'ai trouvé les Maxi Poudre Compact Bronzante. Alors, j'ai trouvé le à 1,50 €. Donc, j'ai trouvé le soleil doré. Voilà. Et le soleil cuivré. Donc, j'en ai pris plusieurs. Donc, pour 1,50 €, voilà. Pour faire mes enveloppes surprises. Ensuite, j'ai retrouvé un autre fard Mouini, c'est le numéro 16. Donc c'est celui-ci. Super joli aussi pour 85 centimes. Et ensuite de PB Cosmétiques. Voilà. Le truc s'est enlevé, mais c'est pas grave. Donc de PB Cosmétiques, j'ai trouvé des ombres à paupières pour 50 centimes. Donc celui-là, c'est le violet. J'ai trouvé le rose. J'ai trouvé le bleu bleu. Si vous voulez des swatchs, il n'y a pas de souci. Le soft abricot et nuit magique. Le rose toujours. Le pistache et sapin. Le bleu bleu encore, je crois que je voulais montrer. Le violet, encore une fois. Donc voilà, ça va être partagé dans mes enveloppes surprises. Ensuite, j'avais pris ce sac-là. Avec ces fleurs-là. Je crois qu'il était à 99, je crois. Ensuite, j'ai trouvé les tasses Frozen. Donc, qui était à 1,99 €. Donc, j'ai trouvé celle-ci. Donc, Emily, tu me diras si c'est celle-ci que tu as ou pas. Ensuite, j'ai trouvé un ensemble comme ceci. Là, à l'envers. Avec le bas. Ensuite, d'autres sous-vêtements. Encore. Je vous montrerai à la fin. Ensuite, j'ai trouvé il n'y a pas de mets de Banina San.
une petite trousse comme ceci à 2,50 €. Et c'est créatrice française, il n'y a pas de mais. Voilà, avec le miroir. Et la petite trousse se présente comme ceci. Donc, super sympa. Ensuite, pour 1,50 €, j'ai trouvé un collier comme ceci. Donc il part comme ceci. Il y a une petite plaque ici et il descend jusqu'en bas avec un petit strass. Donc à l'origine, il vaut 5,50 €. Voilà, et j'ai payé 1,50 €. Ensuite, j'ai trouvé des die cuts comme ceci à 1,99 €. Voilà, avec des papillons. D'autres sous-vêtements. J'ai trouvé deux bracelets comme ceci pour 99 centimes. Au lieu de 7,50 €. On en a un pour ma copine Lily, bien sûr. Du coup, j'avais repris aussi, donc j'en garderai une pour moi. Ensuite, j'ai pris un DVD, les 12 coups de minuit, pour 1,99 €. J'ai trouvé une petite pochette comme ceci à 2,50 €. Donc voilà. Je vais speeder un petit peu parce qu'elle fait déjà 27 minutes. Ensuite, j'ai trouvé un petit porte-monnaie comme ceci violet. Voilà. J'ai trouvé un pinceau pour 2,50 €. Encore une poudre. Encore un autre collier. Je pense que je mettrai à Emily l'autre. J'ai trouvé un livre comme Une rupture devient un tube. Comment je suis devenue célèbre malgré moi. Donc à l'origine, il vaut 15,95 €, je l'ai payé à moins 70%. J'ai trouvé un petit carnet comme ceci doré pour 2,20 €. Encore un pinceau éventail. Des tampons avec des roses pour 1,99 €. Donc un petit bracelet comme ceci pour 1,20 € au lieu de 2,50 €. Un rouge à lèvres rose pâle pour 85 centimes. Un autre pinceau éventail qui va à ma copine Emily. Un bracelet bleu comme ceci à 1,20 € au lieu de 7,50 €. Des boucles d'oreilles comme ceci pour 99 centimes au lieu de 17,95 €. Donc des tampons pour Emily pour 1,99 €. Un autre comme ceci. J'ai trouvé deux cartes Hello Kitty pour 75 centimes. Un petit bracelet comme ceci à 1,20 € au lieu de 5,95 €. Une petite bague au lieu de 9,99 €. Un bracelet rose 99 centimes au lieu de 7,50 €. Un bracelet tout fin comme ceci, 1,20 € au lieu de 5,95 €. Encore une autre poudre.
un autre petit bracelet. Encore des petits boucles d'oreilles, le 17, 99 centimes, le 17,95. Je vous les ouvrir. 99 centimes au lieu de 5,95. Un petit gloss Cowork Shoot pour 75 centimes. Ensuite, encore des ombres à paupières. Je vais essayer de voir ce que je ne vous ai pas montré. Là, c'est beige lumière et brun. Donc pour 50 centimes, toujours de la marque PP Cosmétiques. Le bleu. Ça, je vous ai montré. On va mettre dans le sac. Le kaki. Je vous ai montré ça aussi. Ça aussi. Et le kaki aussi. Et je vais vous montrer de PB Cosmétiques pour 6,99 €. J'ai trouvé deux palettes. Donc il y en a une qui a été pour mon anniversaire offerte par mon copain. Qui voulait m'offrir une palette, donc j'ai pas dit non. Hein. Hop. Donc, l'autre. Alors en fait, il y a le miroir. Donc, voilà, et elle se présente comme ceci, avec tout plein de couleurs. Donc voilà. Donc pour 6,99 €, ça vaut vraiment le coup. Donc l'autre, je pense que je la mettrai en concours ou je la donnerai, j'offrirai, je ne sais pas encore. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!